allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. C'est une toile que j'ai terminée et que je vais tenter d'encadrer. Donc c'est sur le site de Fan Wells. Je vous l'écris parce que ça ressemble fortement à un autre site, à une lettre près. Et donc, en fait, je vais vous montrer en image la progression de cette toile. Voilà, donc vous avez vu la jolie toile qui est terminée de Angelina et Indra. Donc je trouve que c'est assez bien. C'est assez bien en fait. Au niveau des couleurs, c'est un petit peu moins. Enfin, les couleurs sont moins prononcées. Là, je vais vous le mettre la photo à côté, vous verrez. Donc elle est inversée. Voilà, donc ben, elle a été super agréable à faire. Alors j'ai acheté un encadrement, vous avez vu dans mon haul action, parce qu'elle a des dimensions particulières, elle fait 34 par 54. Donc évidemment, il y a les petits oiseaux qui chantent, il fait beau aujourd'hui. Donc évidemment, c'est une toile, donc... Enfin, il faudrait peut-être faire un... J'arriverai à le dire, un encadrement sur mesure. Mais en fait, j'ai opté pour des encadrements de action tout classique. Par contre, je voulais mettre un passe-partout vert un petit peu kaki comme ça. Mais j'en ai pas. Donc, pour le moment, je vais encadrer cette toile avec l'encadrement qui était prévu. Donc, c'est celui-ci. Avec les bords gris, voilà, donc je vais tenter, donc je vais déjà enlever, alors je ne l'encolle pas, je pourrais l'encoller mais je l'encolle pas, j'ai tout fait avec la règle,
Alors, c'est cette règle, ouf là, c'est cette règle-ci. Elle est un petit peu gondolée maintenant, mais elle fonctionne toujours très bien, elle n'est pas cassée. Donc, j'ai fait tout avec cette règle, c'était super bien. J'ai fait avec ce stylet-là, avec au tout début, vous l'avez vu, le multiplaceur de 10. Voilà, pour les parties, vous avez vu, là, il y en avait plein. Hop, j'ai de la colle. Là, là, voilà. Dans le blanc cassé, il y avait plein de petits trucs qui se sont collés. Donc, j'ai pris ma pince et j'ai tout enlevé. Au niveau des diamants, alors, les diamants, oh, je prends voilà, j'avais préparé dans une boîte, comme ça. J'avais fait tous mes compartiments. Donc, écoutez, il me reste de tout. De tout, de tout, de tout. Il y en a beaucoup qui me restent. Voilà, on les voit par derrière. Voilà, donc, ben, je ne sais pas si ça partira à la poubelle, les diamants restants, ou si je vais les trier, parce qu'il m'est arrivé quelque chose là sur une toile. En fait, je n'avais pas assez d'un diamant. Et j'ai été en prendre dans mes toiles personnelles, une toile que je n'ai pas commencée. J'espère que ça ne manquera pas. Mais bon, alors je vais enlever déjà les washi tops que j'avais mis parce que ça m'énervait. Ça collait tout là. C'est. Alors évidemment, ça s'enlève mal, ça colle tout. Donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vous retrouve quand j'ai tout enlevé le washi tape. Voilà, donc j'ai. Hop, ça colle. J'ai enlevé tout le petit le washi tape qu'il y avait autour. Donc maintenant, j'ai descendu mes gros ciseaux. Et je vais donc couper le tour de ma toile. Comme elle n'est pas encollée, je ne sais pas ce que ça va faire. En sachant que j'ai travaillé donc toute la toile, ça colle, avec la règle. Et que j'ai l'impression que les diamants collent moins. Je ne sais pas pourquoi, les diamants, ils glissent. Bon, peut-être aussi parce que c'est des ronds. Donc les ronds, ils ont moins de. Ils sont moins serrés entre eux. Ils peuvent bouger, je ne sais pas. Voilà. Ça colle, ça colle, ça colle. Voilà. Donc je continue et je reviens ensuite. Voilà, donc j'ai tout coupé les bords. Alors, j'ai fait avec ma petite pince comme ça. Il y a des petites saletés parfois entre les diamants qui restent collés. Donc, je les enlève avec la pince. Donc, voilà. Alors, ça se voit beaucoup dans le blanc, mais pas dans les autres couleurs. Donc, apparemment, c'est bien droit. Ça, c'est super. Voilà. Je n'ai pas besoin de réaligner, rien du tout. Donc, c'est parfait. Donc, alors, je vous ai dit que j'allais faire avec ce cadre. Alors, j'espère que ça va aller. Donc, je vais vous l'ouvrir hors caméra. Voilà, donc j'ai ouvert et je viens d'avoir une idée géniale. Donc ça, c'est un rose, un joli rose pastel. Donc je vais mettre ma toile comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout. Bon, vous ne verrez pas tout, mais voilà. Et par contre, j'ai pris un vieux passe-partout que j'avais loupé une fois, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai décidé de le mettre là, comme ça, pour faire un tour rose et faire ça comme ça. Donc ça, c'est. Enfin, moi, je trouve ça super joli. Voilà, je vais faire ça. Et donc, oh! Il va falloir que je mette la toile là, bien comme il faut. Alors, j'ai pas ma règle, j'ai mon vieux maître de couture. Je vais voir un petit peu. Là,
Il y a à peu près 3, presque 4. Là, c'est à peu près pareil. Là, j'ai 2,3. Et ici, donc, j'ai 3. Donc, je remonte un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Alors, je remesure là. Là, c'est 2,567 et demi. 2,567 et demi. C'est précis. Là, j'ai 2, ah, j'ai 2,4. Alors, je vais. Ah, oh, putain! Pardon, ça sonne. Je m'excuse pour mon gros mot, mais c'est régulièrement que ça sonne et c'est quand j'y vais, la personne. Donc ça, c'est des mômes qui s'amusent et ça m'énerve. Et du coup, j'ai perdu mes lunettes qui sont là-bas. Que ça m'énerve. Désolée de vous avoir dit un gros mot en direct. Et là, je vois que j'ai. Ah non, je croyais que c'était un diamant qui se promenait. Alors j'ai 3,5. Là, j'ai presque 4. Je sais que c'est minutieux, que vous aimez pas ça. Voilà, donc là, c'est bon. Là, 2,5. Là, par contre, c'est pas bon. Mais c'est pas bon de 1 mm. Voilà, donc là, je dois être bien. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit point. Un petit point. Et un petit point. Voilà, j'ai fait mes petits points. Et donc maintenant, alors je vais mettre ça. Alors ça, c'est le nouveau que j'ai acheté, vous avez vu dans mon haul action. Alors, est-ce que je suis toujours chat noir ou pas? Allez, on va y aller. Je sais pas bien pour commencer ce qu'il faut faire. Écoutez, ça a l'air d'aller. Donc je vais en mettre sur ma toile. Ça a l'air de fonctionner bien. Voilà. Je vais en mettre là. Donc, par contre, là, ça fonctionne plus. Pourquoi? Là, ça a mis. Ça fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, est-ce que c'est la matière? La toile? J'y vais doucement. Hein. Là, il y en a. C'est bon. Là, c'est pas très bon. Voilà, là, je vais en remettre un petit peu plus le long. Encore là. Et pour pas que la toile glisse, parce que je vous avais expliqué le topo dans une vidéo, ma toile avait glissé. Ah, mais en allant vite, ça va mieux. Ouais, regardez. En allant vite, ça va vachement mieux, quoi. Voilà, comme ça descendra pas. Ah ouais, ça va. Parce que je vais trop doucement. Voilà, maintenant je vais faire dans l'autre sens. Ouais, regarde-le! Youpi! Et là, je pense que c'est bon. Alors, je vais essayer de trouver mes points. Voilà, j'en vois un qui est là et l'autre qui est là. Et j'ai mal collé. Voilà. Là. Là, ça devrait être bon. Je pense. Alors, vite, vite, avant que ça colle. Je vais regarder mon petit point. Mon petit point. Et là, c'est pas bon, je crois. Ou alors, c'est le. Voilà pourquoi.
en fait. J'avais l'impression que c'était droit, mais ce n'est absolument pas droit du tout. Voilà, là oui. Là, ça va. Mais le problème, c'est que cette partie noire que vous voyez, elle fait. C'est là que j'avais fait une erreur. Mais je m'en fous, hein. J'en ai un petit peu marre, moi. C'est 5. Et là, j'ai 4,5. Ça fait un demi-centimètre. Mais j'ai pas envie de les couper. Donc, bah écoutez, je vais rester comme ça, hein. Voilà, donc là, ça a l'air potable. Donc ça, c'est bien collé. J'en ai bien sûr mon rouleau. Et moi qui suis maniaque, ce centimètre ne me plaît pas du tout, mais c'est trop tard. Alors, où est... Alors, je vais préparer ça. Je vais le laisser de côté. Je vais prendre... Oïs! Enfin, je dis Oïs, mais il n'est pas lourd du tout. Le cadre. Je vais prendre cette partie-là, comme ça. Donc, je vais enlever le plastique, si j'y arrive, qu'il y a dessus. Voilà. Hop. On va essayer de pas trop faire de bêtises. Voilà. Donc là, j'ai enlevé. Je vais le tourner et le mettre à l'intérieur du cadre. Et je vais enlever donc l'autre papier transparent qui est de l'autre côté, qui protège le plexi. Voilà. Donc de suite, ça brille. Hop. Alors, on va essayer de ne pas trop poser les doigts dessus. Voilà. Voilà, donc là c'est bien mis. Donc par ordre, je vais mettre. Alors c'était comme ça. Donc je vais mettre le passe-partout là parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Je vais prendre mon diamond et je vais le poser là. Je vais le tourner. Normalement ça a l'air d'être bon. Donc je mets, si c'est pas bon, bah écoutez, là, je remets le fond rigide là. Hop, je vais refermer tous les petits clips. Là, là, là. Ça fait mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts. Voilà, là, là. Là, là. Et voilà. Et donc, alors je regarde avant vous. Bah écoutez, ça a l'air d'aller. Regardez, c'est super beau quoi. C'est super beau. Alors je veux le mettre à l'endroit habituel et je vous retrouve pour vous le montrer. Et voilà. Donc là, je vous le montre de loin. Parce que si je me rapproche, il va y avoir la lumière, je pense. Non, même pas. Voilà, donc là, bah écoutez, c'est terminé. On ne voit pas trop les demi-centimètres de différence pour le noir. Je suis contente de moi. Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à encadrer mon Esmeralda, là, de Spell Queen. Voilà, je suis très contente. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous dis bye.